La communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges présente les tutos de l'espace citoyen. Découvrons les fonctionnalités proposées aux familles usagers des services enfance et petite enfance de la communauté de communes. Une fois connectés, vous pouvez accéder aux services de démarches en ligne dans le bloc « Ma famille ». Première fonctionnalité, gérer les réservations. Elle vous permet de modifier les réservations des membres de votre foyer. Dans la limite des délais de prévenance, vous pouvez ajouter ou annuler des réservations. Cliquez sur le membre du foyer concerné, puis sur « Commencer ». Modifiez les réservations dans le planning. Cliquez sur « Aller à l'étape 2 ». Cette étape récapitule votre demande. Vous pouvez revenir en arrière pour la modifier, l'annuler ou la valider. Un message de confirmation s'affiche. Deuxième fonctionnalité proposée, créer une inscription. Elle vous permet d'inscrire votre ou vos enfants dans un des services de la communauté de communes. Cliquez sur le membre du foyer concerné. Lisez le texte et cliquez sur « Commencer ». Renseignez scrupuleusement les différents champs du formulaire d'inscription. Une fois tous les champs remplis, cliquez sur « Aller à l'étape suivante ». Le récapitulatif de votre demande s'affiche. Vérifiez-le. Vous pouvez la valider. Un message de confirmation s'affiche. Dernière fonctionnalité liée à l'enfance et à la petite enfance, signaler une absence. Votre enfant est malade ? Vous pouvez signaler son absence en ligne et envoyer directement votre justificatif depuis votre espace personnel. Pour cela, cliquez sur l'enfant concerné. Lisez le texte, puis cliquez sur « Commencer ». Remplissez les différents champs. Insérez le justificatif, soit en l'important depuis votre ordinateur ou en l'ajoutant depuis l'espace de stockage de votre espace privé. Sélectionnez votre justificatif, puis cliquez sur « Valider ». Cliquez sur « Aller à l'étape 2 ». Vérifiez le récapitulatif de votre demande, puis validez-la. Un message de confirmation s'affiche.